Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique nuit. Journée ensoleillée. Oui. Alors c'est pour ça qu'il y a une humidité chelou et puis qu'on a le soleil. C'est le soleil là et on veut pas trop l'enlever non plus parce que c'est dommage. On fait souvent avec des spots, il y en a quand même, on fait souvent avec des spots et on fait rarement avec le soleil. Oui. Et aujourd'hui on se retrouve pour ça. Ça, donc vous l'avez dit. Tout le monde l'a dit, en même temps ça se voit. Hein. Oui. C'est un petit œuf. C'est un œuf Chewbacca. Chewbacca. Du coup, on va même essayer avec l'application. Oui, parce qu'on a acheté un truc qui va nous permettre de faire des vidéos sur les smartphones. Voilà, c'est ça. Et donc, pour. Surprise, vous verrez. On vous dira pas. Plus pour un autre truc, mais on va pouvoir le tester pour une première fois avec ça. Avec. Puisqu'il y a une vraie. En fait, il y a une vraie application qui est faite justement pour le Furbacca. Puisqu'il s'appelle le Furbacca. C'est un Furby. C'est un Furby Chewbacca. Donc on a des Furby là. Donc ils sont endormis parce qu'on a enlevé les piles. On a deux vieux. On en a un là et un là-haut. Vous le voyez pas. Mais là, ils sont trop marrants parce qu'ils sont flippants quoi. Ouais. Qui m'appelle Furby et mais on a enlevé les piles parce que si jamais on les enlève. Oui, c'est. Bébé, ton ami. Je m'ennuie. C'est énorme. Ah, mais on dirait Kim. Bon, on va voir ça. Oui. Par contre, il y a du scratch, si ça va le faire, allez. Et on espère qu'il va être vraiment bien, parce qu'il est quand même assez rush. Oui, il est assez cher. Mais méga cher, quoi. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça méga cher. Moi, on remercie ma tante, oui, grâce à qui on l'a eu, parce qu'on a une carte cadeau. On l'a pris avec un bon d'achat Fnac, donc ça nous a coûté qu'en gros moitié prix, même si c'est la carte cadeau, on l'a payé plein pot. Mais c'est un cadeau, c'est une partie de notre cadeau de Noël. Et du coup, il est trop mignon, mais du coup, je vais mettre 3 heures à l'ouvrir. Ah oui! Yeah! Du café! Oh, il y en a encore! Mais c'est pas possible! Ça se finit jamais ce truc là. Il y a 40 000 scotch, donc moi je pensais que ça serait sur le dessus, en fait ça saute sur le côté. Oh là là, il est vivant! Regardez! Voilà. Donc c'est ça, on a acheté une boîte en carton. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Il dort, il fait dodo. Oui, mais plus pour longtemps, mais... Et on va dégager la carte. On va mettre les piles là. Oui. Donc on peut prendre les piles. On prend les piles qu'on avait préparées, pas comme le tournevis. Attention, suspense. Hein. Tu stresses? Ouais. C'est le stress du Furby. Le stress du Furby. Il est trop mignon, ça fait super longtemps qu'il est sorti, mais on n'avait jamais pensé, enfin on s'était dit ouais. Ça se trouve il va pas marcher parce que les piles fonctionnent pas, Mais si, c'est des récentes. Bah c'est celle de nos Wiimotes. Oh, il a bougé. Bonjour. Alors vas-y. Si tu le caresses, ça fait quoi? Il y a un bouton derrière. Il y a un truc là, regarde, ils mettent un point. Mais non. Ah non, c'est sa bouche. Attends, normalement, si tu le mets à l'envers, il fait un truc. Mais c'est quoi ce bruit? Ah oui, ça. Ah oui, si tu le touches pas. Attends. Mets-lui le doigt dans la bouche. On dirait une chèvre. On dirait une poule, quoi. Retourne ton Furbacca. Nourris Furbacca avec ton doigt. Caresse ton Furbacca, chérie-lui le ventre ou tire-lui la queue. Il chante mal. Hein. Il pète. Tu fais
quoi? Tu tires la queue. Bravo. Il fait aïe. Ah, ils sont mal les oreilles. Caresse ton fur Becca. Attends. Oh, regarde, il fait des oreilles. Est-ce qu'il chatouille? Incline ton fur Becca. Comme ça, elle, si tu veux ça. Tu penses? Je sais pas. Teste-toi. Hein. Présente ton fur Becca à d'autres fur. À d'autres fur Becca. Mais attends, là ils disent. Secoue ton fur Becca. Mais il s'était con. On va lui enlever cette pile. Oui. Attends, on va le laisser. Alors, pareil. Allez, tire la queue pour le faire dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâche. Ah ouais. Il dort. Il est en train de dormir. Non, il est réveillé. Il a faim. Mais moi. Il mange mon doigt. Il mange mon doigt. Ça bouge. Regardez. Bah, il va mieux, il est droit là, il est. Allez, on teste l'application? Oui, on teste l'application. C'est parti! C'est parti! Non. Mais non, j'ai sur Becca déjà. Jouer avec sur Becca. Instruction. Assure-toi que ton Furbacca se réveille, place ton Furbacca sur une surface plane et place l'appareil. Scanne le Furbacca, attention, on va le scanner. J'espère que ça va marcher. Ah, donc en fait, avec l'application, on peut laver le Furbacca. On peut le laver. On peut voilà. Le laver, on peut jouer avec, on peut. Ah, c'est ultrasons, ouais. C'est ultrasons. Ça fait trop mal aux oreilles. Il communique par ultrasons. Ah, le petit bête. Ah. Pas grand chose, hein. Il fait glou glou. Mais non, parce que t'as pas vu. J'ai mis de l'eau chaude et c'est oui. La forme noire, force obscure, donc ouais. Du coup il fait des trucs de champ obscur. Bon. Mais tais-toi. On va lui donner la. Ah non, mais je m'en fous. Il me change, il me met l'autre truc à chaque fois, mais je veux pas aller avec l'autre jeu. Allô. Pas possible ça. Hein. Donc en fait, il communique par ultrasons. Oui, d'ailleurs, ça fait mal aux oreilles. Ouais, ça fait j'espère que ça entendra pas trop. J'espère qu'on entendra pas trop, mais. Là, et là, je vais donner à manger à mon Furbacca. On veut lui donner à manger maintenant. Un morceau de poulet, Furbacca. Vas-y, donne-le. Ah, trop bien, il a lancé du poulet, il mange. Il est content. Est-ce qu'on va lui donner un burritos? Je lui envoie. 1, 2, 3. 1, 2.
Et il aime bien aussi. Tu peux lui envoyer à manger. Est-ce qu'il aime bien les carottes? Une pastèque en forme d'étoile, d'étoile noire. Une carotte. J'ai envoyé une carotte. Ah non, ça se trouve, il va pas aimer. Elle est revenue. Il l'a taillé en furby, quoi. Regarde, il a renvoyé la carotte. Ah, il a préféré. Et du coup, il l'a mangé. Est-ce qu'on... Oh, des chips. Alors, on lui donne des chips. Regarde les chips. Je vous montre un peu, hein. Pour... Donc, c'est tout simple. En fait, le principe, c'est qu'on lui envoie. Oui, c'est ça. On glisse, et hop. Ah mais t'as envoyé le paquet? Ouais, il a envoyé le paquet vide. Mais il a vide. Tout mangé. Il a tout mangé. Ouais, ouais c'est marrant ça. En tout cas, on a vu un peu ce que ça faisait. Bon, c'est plutôt marrant. Oui, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Bah déjà, un Furby, c'est marrant en soi. Hein. C'est... Vous l'avez même pas vu de près au final. Il est vraiment... non, c'est vraiment très joli. Bon, après... Papa, papa la vache. Il fait plein de chants différents, finalement. Ouais. Ça va? Est-ce que si je fais... Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, notre ressenti sur Furbacca, c'est qu'il est très mignon. Bon, c'est encore un énième produit dérivé de Star Wars que Disney aime bien mettre en avant. Et en tout cas, Guillaume, je sais à quoi il va jouer maintenant. Il a l'air de bien s'amuser. Oh, regarde, il se plie, il mange mon doigt. En tout cas, il est très mignon. Bah, c'est un petit Furby. Hein. C'est... Furby, c'est mignon. Ça revient un peu à la mode. Oui. Peut-être qu'ils en feront d'autres. On va le faire dormir. On lui tire la queue, là. Donc, il aime pas. Mais non, c'est pas assez. Si, c'est bon, 10 secondes. Non. Du coup... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais il faut arrêter de le mettre à plat. Ah voilà. Il dort. Ah, il bouge. Bon, attends qu'il s'endorme. Oui, enfin, après, on dira au revoir. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On va le mettre là. Ouais, on va le mettre là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous l'avez chez vous, nous en tout cas. Moi je sais que Délire de Max a chez lui. Oui, Délire de Max a chez lui, on l'a vu dans et ouais, et du coup il avait mis qu'il l'avait, il avait deviné ce que c'était. Ouais. En tout cas, c'est un beau petit Furby, il est très mignon, et puis ça, c'est sur le thème Star Wars, donc les chants sont marrants, ça reste pas des comptines pour enfants. Oui, puis il y a une petite application, bon elle est pas transcendante, hein, mais l'application c'est marrant, tu vas en manger, il te renvoie, il crache, c'est marrant quoi. C'est un bon amusement. Certes, c'est un petit peu cher, mais bon, c'est quand même marrant. Quoi. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!